débarque. Je débarque, j'ai vu votre numéro et j'en étais assez. C'est super, mais je dois dire que je ne connais pas du tout cette activité. Ouais. Et je vais déjà vous poser une question. Mm-hmm. Est-ce que c'est basé sur le sport ou alors si quelque part on est déjà au conservatoire de la musique? Ben c'est un peu tout ça en même temps en fait. Comme vous voyez, on fait la musique, on chante. Ça s'appelle la capoeira, ça vient du Brésil. Et on dit jouer la capoeira. C'est-à-dire que c'est un jeu de combat où on fait des coups de pied qui peuvent être très dangereux. Et c'est sur la musique, donc on respecte un rythme, on respecte ce qu'on appelle un rituel en fait. Ça vient du Brésil et c'est une culture afro-brésilienne. Ouais, on n'a pas l'habitude de mélanger ces différentes. Pratique, c'est-à-dire qu'on veut toujours caser en France dans la culture, dans l'art martial, dans la capoeira, c'est plein de choses en même temps. Comment ça vous est venu? Vous l'avez découvert où? Comment? Et je suis partie au Brésil par curiosité, suite à des études en anthropologie aussi, je voulais découvrir cette culture de plus près. J'ai vu là-bas pour la première fois la capoeira et ça m'a fascinée. J'ai eu envie de commencer à pratiquer là-bas. C'était à Recife, dans le nord-est du Brésil. Et quand je suis revenue en France, j'ai rencontré un maître de capoeira qui vit à Montpellier, qui est toujours mon maître aujourd'hui. On dit maître, c'est-à-dire que ça fait une connaissance quand on arrive au bout du chemin. On n'arrive jamais au bout du chemin, même quand on est maître, mais on a un certain degré de connaissance, de pratique, d'expérience, autant dans la capoeira que dans la vie. Et donc je l'ai rencontré ici, et c'est comme ça qu'on a pu continuer, j'ai pu continuer à pratiquer. Jusqu'à devenir instructeur, bien sûr, donner des cours, me former avec lui et d'autres professeurs et maîtres qui sont arrivés aussi à Lyon. Et voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs groupes à Lyon. Moi, j'ai commencé à donner des cours, ça va faire 10 ans bientôt. Il y a beaucoup de professeurs qui sont arrivés du Brésil à partir des années, fin des années 90. Donc de Rio, de Salvador principalement au départ. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs de différents groupes. Moi, le groupe auquel j'appartiens, enfin avec qui je me suis formée, s'appelle Senval, qui vient de Rio de Janeiro. La capoeira, elle est partout, hein, elle est dans les écoles primaires, collèges, lycées, MJC, centres sociaux. Parce qu'elle apporte beaucoup en fait. À la fois, il y a le côté évidemment sport, pratique physique. Et puis il y a le côté éducatif, le côté. Côté de l'histoire, il y a plein de choses, la musique, le rythme, donc du coup tout ça, ça peut apporter beaucoup quand on l'utilise, c'est un outil merveilleux quoi, avec les enfants et avec les adultes aussi bien sûr, mais avec les enfants dès tout petit. À la Croix-Rousse on a commencé aujourd'hui avec l'association Gingamb, qui est l'association que j'ai créée il y a 10 ans maintenant. Les cours commencent à partir de 3 ans. Mais je crois qu'il y a encore à Lyon, en France, de belles choses qui méritent d'être connues. Ah oui, tout à fait, oui. Et puis ce monde-là de la capoeira, c'est infini, quoi. Il y a beaucoup d'histoires et puis ça continue, il y a toujours une évolution. Donc il y a toujours, même pour ceux qui sont dedans, à découvrir. Il y a encore beaucoup de monde qui n'en connaissent pas encore. Donc... Vous venez de dire que c'est infini. Malheureusement, pour nous, c'est ça va être fini. Ben, merci d'être venu. Merci encore. Merci. Merci à vous.